DINAEC est une ingénierie électrotechnique où l'on conçoit, fabrique des armoires électriques de process pour l'industrie et plus particulièrement pour le marché de la thermodynamique, c'est-à-dire les installateurs frigoristes ou les spécialistes de la centrale de traitement d'air, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. À la fin des années 2011, l'entreprise DINAEC est mise en vente. Je suis alors adjoint de direction dans l'établissement et j'ai pour vocation de racheter cette entreprise. Mais nombreux sont ceux qui sont aussi intéressés de racheter cette entreprise. J'aime profondément son organisation, ses hommes, et je suis assez fier de ce que l'on a déjà obtenu ensemble sur le plan managérial. Donc j'ai envie de continuer sur ce chemin. Mais la question est de savoir comment faire pour s'assurer durablement que les emplois et le savoir-faire vont rester sur le territoire. Autant je me sens prêt pour assumer la tâche de leader sur cette organisation, autant je ne conçois pas que la destinée d'une entreprise soit dans les mains d'un seul homme. Donc à l'époque, je suis déjà prêt à faire de mes collaborateurs des collaborateurs. Et la question pour moi est plus de savoir comment acheter cette entreprise et comment engager mes collaborateurs sur le chemin de l'entreprise dite libérée. Alors, vouloir libérer une entreprise, ça sous-entend libérer les talents. Et donc, ça veut dire de surcroît qu'il faut re-responsabiliser les collaborateurs pour en faire de vrais entrepreneurs dans l'entreprise, ce qu'on appelle des intrapreneurs. Mais ça sous-entend aussi qu'il va falloir décentraliser le pouvoir de décision, de redonner du pouvoir de décision dans les mains des collaborateurs. Alors, pour atteindre un tel objectif, il faut beaucoup de temps. Du temps consacré à l'animation, l'accompagnement, l'explication, la formation. Puis c'est surtout que ça va reposer sur un système de management basé sur la confiance, 100% confiance. Ça sous-entend que le postulat qu'il faut poser, c'est l'homme est bon et cherche à faire bien. Alors pour être en phase avec les attentes de Fabrice Audrin, qui veut que chaque personne soit co-responsable à l'intérieur de cette entreprise qu'il veut libérer, nous avons animé des réunions de créativité où nous avons incité chaque personne, chaque collaborateur et pas uniquement certains à l'intérieur de l'entreprise à participer à une réflexion qui habituellement est plutôt du ressort du dirigeant, à savoir quelle vision, quelle compréhension ont-ils de l'entreprise aujourd'hui, quelle vision projettent-ils de l'entreprise à 3 ans, l'entreprise telle qu'il la voit ou telle qu'il souhaiterait qu'elle soit, quelles activités, quel marché pense-t-il que cette entreprise devrait porter à terme. Donc chacun a été amené individuellement, aussi bien le câbleur que le chargé d'affaires, que la personne responsable des tests ou que Fabrice Audrin, chacun a été amené à réfléchir à cette vision, sa vision personnelle. Et ensuite, chacun s'est exprimé devant l'ensemble du groupe pour donner cette vision, l'exprimer. Évidemment, ça a généré énormément d'échanges, de contacts, de discussions, de débats, et ça a permis de dégager progressivement une vision qui n'était pas une vision unique, homogène, mais qui était simplement une vision qui est devenue participative, qui se concentrait, qui allait vers quelque chose de commun. Et à partir de là, on a pu définir ensemble, mais au niveau du groupe également, les activités, des activités et des marchés vers lesquels DINAEC allait potentiellement pouvoir s'orienter, mais dans une démarche véritablement collective et participative. Le fait de passer de collaborateur à collaborateur nous a apporté un accès à la stratégie de l'entreprise, donc une certaine sérénité. Ça s'est traduit ensuite par un décloisonnement des services. On est tous au même niveau, ce qui nous a apporté plus de communication, de respect et de solidarité entre tous. Ces changements font que nous sommes dans un environnement plus favorable pour oser, tester, innover, d'où une reconnaissance individuelle plus forte. Grâce à la dynamique de libération d'entreprise entamée, nous avons pu tous avoir accès à la prise de décision via le conseil d'administration, une totale transparence sur les aspects juridiques et financiers, et le partage du résultat de notre travail collectif.